Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Hello les amis, ma tête du matin, bonjour. Ne fais pas attention, je viens de me réveiller. Enfin, on vient de se réveiller. Il est actuellement, je pense, 7h15. Là, je vais vous faire une routine du matin, comment ça se passe chez nous le matin. Donc là, généralement, je me réveille. À chaque fois, bébé Ewan, il est avec moi. Mais comme là, Jérémy, il est de coupeau, il ne travaille pas aujourd'hui. Du coup, il est en train de dormir avec Jérémy. Et quand c'est comme ça, les enfants, les grands se réveillent. On est mercredi. Les deux commencent à 8h. Donc, ils se réveillent généralement vers 6h15, Loan, et Lily vers 6h30. Comme ça, ils se laissent le temps d'aller à la douche. Tout ça, ils le gèrent eux-mêmes. Moi, je ne fais rien du tout. Parce qu'ils ont leur réveil à eux. Donc, vraiment, ça, sur ça, je leur fais confiance. Ça s'est toujours passé comme ça depuis qu'ils sont rentrés au collège. Et quand Iliana se réveille, en même temps, Léna, elle peut rester au lit, mais après, quand Iliana se réveille, elle aussi, elle se réveille, du coup, voilà quoi. Elle se prépare, le soir, elle prépare ses affaires déjà, et là, en fait, Léna, je vais vous la montrer après, elle est déjà habillée, et là, elle est en train de déjeuner. Et moi, ce que je fais, c'est que dès que je me lève, directement, je vais à la douche, comme ça, je suis prête. Et là, on est mercredi, c'est moi qui ramène Léna à l'école parce que. Parce que comme il commence à 8h et les Naya commencent à 8h30, ils n'ont pas trop le temps en fait. Donc c'est comme ça qu'on gère le matin avec les grands. Donc vraiment le matin pour les grands, je fais plus rien pour eux. Même les Naya, elle s'habille toute seule, elle fait son petit déjeuner toute seule, comme une grande. Hein, Fifi? Ouais. Et elle s'habille toute seule aussi. Et des fois, j'aime bien m'occuper d'elle quand même parce que c'est encore un enfant. Donc voilà, mais généralement, elle veut tout faire toute seule. Donc voilà. Du coup, là, je vais vous filmer un petit peu ce que je fais le matin avec les enfants, tout ça. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira, les amis, parce que vous m'avez demandé cette vidéo. Hein. Comme je disais tout à l'heure, les enfants ont déjà fait leur déjeuner, ils ont déjeuné. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que après, c'est à mon tour de préparer mon petit déj. Moi, c'est tout simple, du café. Souvent, le matin, je prends des petits, vous savez, des petits cracottes, là, avec soit un peu de beurre, soit c'est de la confiture, en fonction de ce que j'ai, en fait. Chez nous, le matin, le jus d'orange, c'est trop important. C'est beaucoup trop important, les amis. Donc là, je me sers un verre de jus d'orange. Allez, Naya, c'est important, le jus d'orange, chez nous. Ouais. Et moi, je ne vais pas faire les trucs Madame Carré, là. Vous savez, tac, 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 tac. Non, non, moi, c'est pas moi, ça. Moi, c'est... je fais comme je le ressens, en fait. C'est moi-même, en fait, le matin. Là, c'est ma tête du matin. Hein. Comme vous voyez tous les jours, il n'y a pas de maquillage. C'est pas mon délire ça. Ou alors souvent ce que je mets le matin c'est du rouge à lèvres. Mais là comme je me suis pas je me suis juste lavé, j'ai pas brossé les dents, parce que quand tu te laves et que tu te brosses les dents, et ben le goût de jus d'orange ce n'est pas pareil, hein. C'est dégueulasse, hein. Ouais. Tu connais ça, Naya? Ouais. Coucou. Tu vas expliquer un peu ta routine alors, toi? Ouais. Alors, je me réveille. Attendez, vous la voyez pas trop là, attendez. Attends, je vais me mettre sur la chaise. D'accord, ok. Elle va vous expliquer un petit peu sa routine. Elle connaît mieux que moi. Alors, moi, je me réveille. Des fois, je me réveille, je vais m'habiller. Des fois, je vais me coiffer, mais là, je me suis... Non, mais avant de t'habiller, tu fais quoi? La douche. La douche, elle a déjà pris la veille. Ouais. Elle prend sa douche, comme elle est encore petite, des fois, si elle le sent, elle peut le prendre le matin, mais là, pour le moment, c'est que le soir, et le matin, elle fait la petite toilette. Allez, je te laisse expliquer. Après,
je me coiffe, mais là je me suis pas encore coiffée. Après, je mets de la crème. Après, je descends. Ah oui, ah, je mets mon collier. Je descends mon sac. Et je déjeune. Après, je vais. Déjeune quoi le matin? Alors, je déjeune des cracottes avec du Nutella. Du beurre, des pâtes. Ouais. Après, avec du jus d'orange. Et après, avec. Comment ça s'appelle déjà? Un chocolat chaud. Voilà. Même le chocolat chaud, c'est qui fait? Coucou c'est les moi. Amis. C'est les nanas qui sont chocolat tout seul. Ouais. En fait, on va mettre les voilà. Belles chaussures. Ouais. Donc voilà un petit peu ce qu'ils font le matin. Franchement, eux, je gère rien du tout. Hein. Ils font tout eux-mêmes. Mais alors toi, t'es tellement fan de tes chaussures que tu vas nous le montrer tous les jours. Mais regardez comment elles sont trop belles. Et là, alors attendez, je vais vous montrer là. Ça, du coup, c'est le Shein. Dans le haul Shein. Ouais. Et les pantalons aussi. Ouais, là comme ce matin il fait un peu frais, bah ouais. Pourquoi elle monte dessus? Pour vous montrer les pantalons. Bah là on voit pas trop, mais il y a des trous, voilà. Donc voilà. Et du coup voilà, je me suis fait mon café. Hein, je vais me faire des cracottes aussi. Ça va Tristan? Ouais. T'es prêt toi? Ouais, je pense que c'est ça ici. Ok. Bon, est-ce que c'est normal d'être aussi fan de ses chaussures? Non, mais il faut y aller un peu pour les. Tous les matins, elle fait ça, hein? Tous les matins. C'est pas normal. Si? Bah, parce qu'en fait, après, ça devient un peu. Au moins, après, il ne laisse pas et ça va se devenir noir. Après, ça va se faire. Tu fais ça parce que c'est le début d'année et que c'est encore tout nouveau. Tu vas pas faire ça toute l'année, rassure-moi. Bah, peut-être, mais genre, j'ai envie que ça soit bien propre. Oui, bah. Et les garder longtemps. Et là, j'ai Fiston là qui est là. Et là, le meuble. Eh, mais vous avez gardé tous vos chaussures, vos trucs là-bas, les cartons de chaussures et tout. Ouais. Oh là là. Ah, et c'est pareil, ici le matin, c'est Bagdad. Voilà. Et là-bas, il y a les Naya. T'as fini de déjeuner? Non, pas encore. Pas encore? Donc voilà. Ah bah c'est bien. Du coup, t'as rangé ta chambre? Ouais, c'est bien. T'as fait le lit et tout? Ouais. Donc là, moi, ça serait... Moi, je préfère quand même que ça soit du beurre ou de la confiture à la place du Nutella, parce que le Nutella, les Naya, c'est trop sucré pour le matin. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas faire la femme modèle ou voilà. Je leur laisse prendre ce qu'ils veulent le matin. Franchement, ça... Du moment qu'ils ont quelque chose dans le ventre, voilà. Je fais pas de chichi, hein. Je vous laisse déjeuner ce que vous voulez. C'est encore heureux, hein, Fifi. Bon, du coup, je vais continuer. Moi, je vais me faire des cracottes, là. Et là, il y a le vigile. Il est prêt. T'es fatigué? Ouais. Regardez-moi ça. Il a pris le soin, la coiffure et tout. Pa, 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 pa. Il faut pas y toucher, hein. Il faut pas y toucher à la coiffure. Pourquoi tu sens? Ça sent de la mousse. Bon, bah, du coup, là, c'est bon. Les grands, il est l'heure qu'ils partent à l'école. Ouais. Là, vous finissez à quelle heure? 11h, oui. Mais si je finis à midi, si je réponds, vous répondez ça à midi, c'est normal. En fait, c'est parce qu'en fait, j'ai peut-être AOA, là. En fait, pourquoi ça? C'est aide à l'orientation. En fait, c'est plusieurs groupes de personnes. Et moi, je suis dans le groupe, le premier groupe. Mm-hmm. Ça sera deuxième groupe, troisième groupe. D'accord, ok. Donc, toi, tu finis à 11h, Lily? Oui, et si vous envoyez un message, ça veut dire que je finis à midi. D'accord. Et en général, quand il finit à 11h comme ça, c'est elle qui va chercher les Naya directement. Elle reste dans le bus, elle y va direct. Et Loan, il finit à midi? Pour le moment, les horaires, c'est sévère. Hein. Mais en fait, maintenant, les horaires sont sévères, mais mes cours, ils sont bien. Ouais. Là, j'ai anglais, permanence, après EPS. D'accord. Et là, c'est quel jour que tu commences à 9h? Jamais? Bon, bah voilà. Loan. Voilà, Loan ne commence jamais à 9h, c'est tous les jours 8h. Donc, quand il finit à 17h le soir, des fois, non? Ouais. Une fois dans la semaine, une semaine sur deux. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu sévère ces horaires, mais ça change, ça va changer? Ouais, mais pas trop. Si, ça va changer, le mercredi, je finirai à 11h, j'aurai que anglais et maths. D'accord, ok, bon, bah allez-y alors.
Et quand c'est comme ça, à chaque fois, dès qu'ils arrivent à l'arrêt de bus, ils nous envoient un message. Il y a des messages groupés. Ils nous envoient un message pour nous dire qu'ils sont bien à l'arrêt de bus. Quand on est dans le Quand ils sont bus. dans le bus, ils nous envoient un message. Quand ils descendent de bus, ils nous envoient aussi un message. Comme ça, on est sûr qu'ils sont bien à l'arrêt de bus, ils sont bien dans le bus, ils sont bien arrivés à l'école. Comme ça, nous, dans nos têtes, on est tranquilles. Souvent, ça oublie. Et quand ça oublie, voilà quoi. On est fâché. Ça ne fait pas le soir après. Hein? Bah allez, à tout à l'heure. À ce midi. Tout à l'heure. Bisous. Tout à l'heure. Ouais. Elle disait, yes, ils sont partis. Regardez chez moi comment c'est le Bagdad le matin. C'est normal tout ça là. Ouais, Voilà. c'est normal. Allez, oui. Bah oui. Vous en avez plus? Oui, bah oui. Papa va vous donner un autre paquet, je pense. Là. À la fin de la Voilà. semaine prochaine. N'oubliez pas de le cracher, hein, de le jeter à la poubelle, hein, avant de rentrer en classe. Ça serait gentil pour pas que la prof nous dise, vous mâchez en classe. Hein? À tout à l'heure. Ouais. Bon, les amis, regardez, c'est ça mon petit déj le matin. Bon, là, je ne vais pas faire genre, il n'y en a pas deux. Hein. On va pas se mentir. Il y en avait quatre. Et comme j'ai faim, j'ai commencé déjà à en manger. Là, c'est du café. Des fois, le café, je peux le boire sans ou comme je peux mettre du lait, ça dépend. Et là, j'ai pas envie. Comme je suis déjà, je suis assis, j'ai plus envie de me lever. Non, c'est bon, Fifi. Et là, il y a mon jus d'orange que j'ai commencé aussi à boire. Donc, voilà. Franchement, on va pas faire genre, hein. On va pas faire la femme parfaite le matin. Non, 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 non. De toute façon, même si je vais essayer de faire la femme parfaite le matin, j'y arriverai même pas tellement je suis maladroite. Allez, Naya, c'est vrai. Ouais. Pareil, on va pas. Moi, le matin, vraiment, je laisse les enfants. Ils font ce qu'ils veulent, franchement. Ce n'est pas un problème pour nous. Regardez la chambre des filles. C'est à peu près rangé. Bah, c'est rangé, quoi. Hein. Voilà. Elena, elle a rangé tout à l'heure. Elle a pensé à ouvrir la fenêtre aussi. Allez, c'est bon, on va continuer, nous? Regardez-moi ça, ce qu'elle va mettre sur elle. C'est quoi? C'est une brume. C'est une brume de chez Victoria's Secret. C'est qui? C'est toi qui t'as donné celui-là. Et après, ils en ont l'autre là, ici. Mais on a pris ça chez Action. Et après, elles ont tout ça comme parfum, les filles. Ah, mais t'as attaché ton t-shirt, Léna, ça se met pas comme ça, regarde. Bah voilà. Tu veux te changer ou pas? Si, je vais changer mon Bah oui, parce que normalement, ça se met à distance, hein. Là, on est dans la salle de bain. Vas-y, remets-moi un peu d'eau. On va se brosser les dents. Mais bon, on ne va pas vous montrer, hein. Ça ne se fait pas. Hein? Bon, du coup, les amis, c'est bon, on a fini de se brosser les dents. Et on s'est fait un bain de bouche. Bah, après ça, en fait, c'est interdit. C'est à partir. Regardez là. Entre 0 à 6 ans, vous n'avez pas de droit ménager. Elle a 8 ans et demi passé. Donc, c'est pour ça qu'elle utilise deux de temps en temps. Et du coup, là, on va passer À la coiffure. à la coiffure. Regardez-moi ses cheveux, là. La lionne. Donc, avant de coiffer, on modifie les cheveux, hein, madame. Ouais, très important. Hein? J'ai dit très important. Ouais. Vous voyez, elle-même, elle me dit, c'est très important. Donc, on écoute madame. Ouais. Alors moi, je fais un chignon haut. Tu veux un chignon haut? Ouais. Dans leurs cheveux, je leur mets ça.
C'est activant là. Franchement, ça nourrit bien leurs cheveux. Mais moi, je mets ça dans les cheveux. C'est pour les cheveux crépus et bouclés. Voilà. Donc voilà. Et ça sent super bon. Ouais. Parce que moi, j'ai les cheveux bouclés. Donc, Ouais. Donc là, j'ai mis. Ah, j'ai mis une bonne quantité dans ma main. Ça va, bébé? J'arrive, hein? Franchement, moi, les cheveux de Lenaya, je ne les lâche plus parce qu'il y a l'année dernière, on l'a lâché qu'une fois, une année, toute l'année scolaire, et elle a eu des poules. Donc maintenant, c'est quand elle a envie de se lâcher les cheveux, elle le fait le week-end parce que sinon, franchement, la semaine, je ne vais plus. Et des fois, quand j'y pense ou quand elle y pense, elle met ça derrière l'oreille, c'est de la lavande. Parce que qui dit l'école, qui dit retour des poules, hein, ça va être bientôt. Ça m'énerve. Bon, voilà, on utilise ça. Allez. Ou sinon, je fais des demi-queues pour aller à l'école. Ouais. Toujours attacher les cheveux maintenant. Parce que je peux vous dire que quand il y a des poules là-dedans pour tout enlever, franchement, c'est galère. Ouais. C'est beaucoup galère. Je comprends pas parce que moi, Léna, Iliana, elle a, quand elle est avec son âge, on a dû avoir jusqu'à. Est-ce que Lenaya est rentrée à l'école? Lenaya, Ilana, elle n'avait pas de poux, hein, vraiment. Mais je pense que Lenaya, les poux, ils aiment bien tes cheveux. Ouais. Je sais pas. Ilana, c'est toujours Lenaya qui chope les poux et qui transmet à tout le monde. Bah, surtout à Ilana, parce que, bah, après, quand il y en a à la maison, on traite un peu tout le monde. Bon, les garçons, ils n'ont pas beaucoup de cheveux. Mais sinon, je me traite mes cheveux et Ilana aussi. Bon, t'as pas beaucoup de cheveux, maman. Hein? Ouais. J'ai pas beaucoup de cheveux comme toi. Allez, secoue un peu tes cheveux là. Waouh! Baisse ça comme ça, ils voient. C'est rare que tu lâches tes cheveux dans les vidéos. Hein. Ouais. Donc, franchement, cette crème là, elle est trop bien. Et dites-moi en commentaire si vous voulez. C'est activé. Hein. C'est trop bon. Ça sent trop bon, je vais dire. C'est trop bon. C'est comme si on a mangé la crème. Mm. Tu veux la queue de cheval comment? Oh? Oui. Après, toi, tu sais te coiffer toute seule, hein, Fifi? Ouais, mais sauf qu'en fait, tes petits cheveux, là? Ouais. Donc, du coup, ça part dans tous les sens quand je me coiffe. Donc, du coup, je préfère quand c'est Lily ou maman. Voilà. Tu commences à être grande, là, Fifi, hein? Ouais. Tu peux baisser quand même, là, non? Ouais. Elle est où, la brosse pour plaquer? Alors, en fait, vraiment pour plaquer à côté des cheveux, j'utilise ça, cette brosse-là. Tu peux me dire, il est quelle heure? 8h08. Ah, heure miroir, les amis, il est 8h08. donne-moi le chouchou, il est où le chouchou? C'est toi qui l'as vu? Ah non, il est là. Et là, madame, elle s'est tachée en mettant la brume, là. Ouais. Du coup, bah, elle a changé son t-shirt. Et voilà. Merci. Et là, on va mettre un petit peu de lavande derrière l'oreille. Elle n'aime pas l'odeur, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais. Ouais. Parce que moi, les poux, en plus, les produits, ça coûte tellement cher, ça, que c'est bon. L'année dernière, quand il avait des poux, on a dû prendre deux produits parce que avec leur produit parce que il faut traiter sur plusieurs jours, du coup on est obligé d'en prendre deux parce que c'est pas suffisant les cheveux des filles. 20 euros de produit, c'est bon, hein, ma fille? Ouais. Hein, les cheveux, on se les lâche le week-end, hein? Ouais. Pas pour aller à l'école? Ouais. C'est mieux? Ouais. Et après, je vais aller mettre un truc. Tu vas faire quoi? Je vais aller mettre un truc. Ok. À la bello. Je viens de chez Sephora. Eh bien, alors toi, t'es plus coquette que ta mère. Hein. Y a rien à voir. Hein. Ouais, c'est le fruit du dragon. C'est quoi?
Fruit du dragon. Non, mais ça, c'est trop bon. Vraiment, ça n'a rien à voir avec moi. Là, pour le coup... Ah, quand même, je peux mettre moi aussi? Oui. Merci. Rien. Ah, ça fait des trucs bizarres là. C'est quoi dedans là? C'est des billes. Normalement, c'est un gommage pour les lèvres, mais moi je mets la vélo. Eh ben, vous allez me montrer plus tard comment se maquiller. Parce que votre mère là, ça va pas. Hein? Ça me fait des trucs bizarres sur la bouche. Et la crème là, tu peux pas mettre ça normalement. Hein? Ah, là, il y en a plus. Il va falloir que je sors l'autre. Ouais. Ça pareil, on utilise du topi crème. Franchement, c'est super bien comme crème. Ouais, c'est à la cire d'abeille. C'est à la cire d'abeille. Et vous pouvez le trouver en pharmacie, mais moi je les achète sur Amazon, c'est en lot de deux. Peut-être 17 euros, je crois. Toute la famille utilise ça, sauf bébé Yohan. Mais après, vous pouvez le mettre aussi sur, sur les bébés. Hein. Mais moi, je ne le mets pas sur, encore sur Yohan. Ouais. Et Yohan, lui, il met encore du Biolan. Parce qu'il a une peau toute douce. Ouais. Là. Fini la routine. Allez hop, voilà. On va se préparer, on va mettre les chaussures, on va aller à l'école maintenant. Ouais. Coucou bébé Wan. Coucou toi. Tu fais coucou? Coucou les amis. On espère que vous allez bien. Les gars, papa en train de rigoler. C'est une agression ce bisou. Ah, bisous. Oh. Oh. Bah allez, c'est parti pour aller déposer madame à l'école. T'es prête? Ouais. Tu prends pas une petite veste ou un gilet? Si. Vas-y. Regardez le temps qu'il fait là. Il y a plein de brouillard. Il fait pas beau du tout, mais ça fait du bien, on va pas se plaindre. Hein. Franchement, aujourd'hui, il va faire maximum 25 degrés. Et là, vraiment, c'est pas plus mal. Hein. On est bien quand il fait pas trop beau comme ça. Là, le petit outfit de madame. Petite veste. Petit sac. Full black ou pas? Non. Non. Avec un haut. Ouais. Un fleur comme ça. Et avec un jean noir large. Et des chaussures Nike. Voilà, po. Fais voir ton sac derrière. Voilà. Allez, viens, ma fille, ma grande fifi. C'est le moment de partir à l'école pour madame Lenaya. Ouais. Les amis, il est 11h, un peu plus d'11h, les enfants ont fini l'école, ils sont rentrés là. Iliana est partie chercher Lenaya. Loan, lui, il finit à midi, donc il n'est pas encore là. Du coup, je vais clôturer le vlog avec les enfants. Comme ça, on va en profiter aussi pour prendre la petite photo de la miniature quand Loan va rentrer de l'école. Avec Iwan aussi. Du coup, on espère que cette vidéo routine du matin, du pas mieux nombreuse, vous plaira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire un petit peu c'est quoi vos routines à vous, de vos enfants, de vos petits-enfants. N'hésitez surtout pas, je serais curieuse de savoir. Donc, voilà les amis, sur ce, nous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Et t'as même pas fait toute la vidéo, regardez là. Matin, moi, le matin. Il a dit, me filme pas. Hein. Mais pas ça. La routine du midi, je préfère si vous voulez, parce que là, je vais manger du coup. Merci, ouais. Bon appétit. Regardez, j'ai fait quoi? Du poulet, ouais, avec de la moutarde. Regardez-moi ça, c'est vraiment des Africains eux. Hein. Ils aiment ça. Hein. T'es content? Bon, bye bye les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous liker. Mais toi, t'es violent. À vous abonner. Nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye. Vous voyez comment il me traumatise. Bye.